beau présent de ma mère. Oh, elle est magnifique. N'est-il pas beau? Laisse-moi la voir. Mon Dieu, elle est magnifique. Superbe. C'est un bon bijou, ça. Moi, ma mère ne fait que me rappeler que j'ai échoué 2 fois aux examens universitaires. Mais est-ce que c'est faux? La mienne m'a dit que je n'aurai rien tant que je ne réussis pas à mes examens. Oh, eh bien, ma mère sait que je me donne à fond quand elle m'offre des présents. Oh, tu es si chanceuse. Ah, oui, je suis. Alors, est-ce que vous avez appris que Samuel a encore une autre cougar? Quoi? C'est la première, la deuxième ou la troisième? Qui est-ce? La même Rose qui a mis et sorti avec lui, parce qu'en ce moment, elle avait un mari. Quoi? Oh. Vous avez bien entendu la musique? C'est ce que j'entends. Attends, attends, comment a-t-il pu? Oh. Tu me demandes? Ça, c'est vraiment la même. Cette fille! Je n'en peux plus. Salut, Madame Lee. Elle est belle, la robe. Le cours est sur le point de commencer. Bien sûr, je le sais. Bonjour, Madame Nelly. Bonjour, Becky, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ma mère me demande de vous remettre ça. C'est pour moi? Oui, madame, elle revient de la France. Eh bien, Becky, je t'ai dit ainsi qu'à ta mère, à plusieurs reprises, que je n'autoriserai jamais une autre personne à venir composer pour toi. Prends ceci. Ceci pour... Comment a été ton rendez-vous? Votre attention, tout le monde. Bonjour, madame Nelly. Bonjour, madame Nelly. Bien, je suis venue vous dire la même chose que j'ai l'habitude de vous dire dans mon bureau. À votre vie, si vous les répétez. Oh, toujours en retard. Donc, comme je le disais, je ne vous donnerai absolument pas une deuxième chance si vous échouez à vos prochains examens. Oui, Miwa? Madame Nelly, j'espère pouvoir parler au nom de tout le monde ici. Compte tenu de l'énorme somme d'argent que les parents payaient, une aide spéciale ne devrait-elle pas être justifiée le jour de l'examen? Ou qu'en pensez-vous? Effectivement. Ouais, ça, c'est vrai. Il a totalement raison. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oui. Sachez qu'il n'y aura aucune aide spéciale. Pourquoi? Pourquoi? Nous apportons actuellement toute l'assistance nécessaire dont vous avez besoin et mérité, en vous offrant les meilleurs professeurs. Je vous conseillerais donc d'en tirer le meilleur parti. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, madame. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous avons tous un très gros problème. Méchante. Elle est méchante. Bonjour, Irène. Ah, bonjour, madame Nelly. Pourquoi es-tu encore en retard? Je devais venir en taxi, madame. N'y a-t-il pas de chauffeur à la maison? Bien, depuis que le dernier a essayé de... Oh oui, je me rappelle. Mais il est toujours plus prudent d'avoir un chauffeur que d'emprunter les taxis. Et j'espère que tu iras au salon ce week-end. D'accord, j'irai ce week-end, madame. Irène, y a-t-il quelque chose dont tu veux me parler? Non, madame Nelly. Est-ce que tu es sûre? Ok. Très bien. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez prévu? La pizzeria, ce serait bien. Ça me va. La pizzeria. Quelque chose comme ça. Toi également, tu donnes ton avis. Je vais te gifler. Pardon. Ok, on se fera plus tard alors. Okay, bye. À plus. Bye. Les filles, bientôt je vais intégrer la plus prestigieuse des universités au Royaume-Uni. Mes parents m'ont dit le Canada. Moi, ma mère m'a dit les USA, juste parce que les deux y vivent.
souhaite juste qu'on puisse passer les vacances ensemble. Eh bien, pas de souci. Nous pouvons en effet passer les vacances ensemble. Aller à Dubaï? Tu l'as dit. Oh mon Dieu. Devinez qui m'a envoyé un message la nuit dernière. Kobe. Quoi? Là, tu es en train de parler de l'oncle de BQ. Que Dieu m'en préserve. Mais il est si mignon. Et vieux. Il est fauché et vieux. Qui est-ce alors? Eh bien, c'est le fils du sous-gouverneur. Et il fréquente déjà au Royaume-Uni. Tu es sérieuse? Mon Dieu, j'ai tellement chanceuse dans la vie. Je veux avoir cette chance dans ma vie. Ne t'en fais pas, tant on reviendra. Sois juste heureuse pour moi. Madame, je ne comprends pas comment certains parents réfléchissent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je parle des enfants qui ont échoué à leurs examens. À qui on remet des sommes qui atteignent le million? Ils leur remettent voiture et chauffeur pour les déposer et les récupérer. Je veux dire, veux-tu qu'ils marchent pour entrer à la maison? Oui, bien sûr, parce qu'ils ont échoué à leurs examens. Regarde un peu les sacs de marque que certains d'entre eux portent. Ce ne sont pas des copies, c'est l'original. Ce sont des authentiques. Joanne, je n'ai honnêtement aucun problème. Je n'ai absolument aucun problème avec les parents qui donnent le nécessaire aux enfants, s'ils peuvent se le permettre. Ce qui est important pour moi, c'est de m'assurer que les valeurs dans ce genre de cas sont respectées. Je ne vois aucune valeur respectée ici. Disons merci à Dieu que tu es là. Si tu n'étais pas là, certains enfants auraient été carrément autre chose. Je vais partir, j'ai un cours à donner. Merci beaucoup, madame. Ok. Papa. Mon poussin, je ne peux pas te parler maintenant. Laisse-moi un message. Oui, attends. Je viens juste de rentrer à la maison et la clé n'est pas là. Gertrude a dû sans doute oublier. Je lui avais demandé de te donner les clés. Appelle-la, s'il te plaît. Compris. Très bien. Ok, papa. Je n'avais pas envie de lui parler. Bonsoir, tante Gertrude. Oui, Irène? Oui, je suis à la maison. Oui, je serai là bientôt. J'ai oublié de laisser les clés. Fabulous. Oui. Tu sais quoi?
Je veux que la femme du gouverneur de cet état m'admire à cette cérémonie. Malgré ce qu'elle est. Je sais. Je veux qu'elle m'envie encore plus quand le gouverneur posera les yeux sur moi. Fais-moi confiance, tu seras parfaite. Maman, je vais te donner toute ma dernière collection pour que tu sois élégante et fabuleuse. Exactement. Je t'assure. Je sais cela, mais il ne s'agit pas seulement de ta robe fabuleuse, mais aussi de comment mon charisme, mes belles courbes et mes rondeurs mettront en valeur cette robe, parce que tu sais quoi, j'ai plus de 100 000 followers que je dois épater. Bien sûr. Sur Instagram. Je te donnerai une sexy. Oh, eh bien, très bientôt, j'aurai plus de followers que tu pourrais en avoir. Tu rêves. Alors, je vais envoyer tout ça la semaine prochaine. Oh, d'accord, très bien. Je vais la resserrer et te l'envoyer la semaine prochaine. Mon téléphone. Hey, c'est super. Allô, chef Joe? Vous êtes de retour? Bien sûr que vous nous avez manqué. Excusez-moi une seconde. Fabulos? Oui, madame. Tu vois ce tissu? Utilise-le pour faire une tenue chic pour l'église, tu as compris? Oh. Je vais la porter pour les funérailles. C'est une très bonne idée. Très bien. C'est compris. Allô? Vous en faites pas. Allô, chef? Vous disiez? Avec lui. Je n'ai pas le temps pour lui. Si tu le dis, alors... Ce mec n'est pas mon genre. Heidi, est-ce que vous avez les nouvelles du petit ami de Sheila? Pas vraiment. Ce mec est un peu agité. Je ne l'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ce gars prie, il ne mentionne pas son nom. Chut, stupide. Wow. Ce mec est vraiment... Waouh, ce mec est trop mignon. Il doit être nouveau. Finalement, une personne qui mérite ma beauté est arrivée. On sait, on a compris, peu importe. Il est trop canon. S'il vous plaît, pouvez-vous arrêter de fantasmer? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ces choses. Allez, faites-moi ça. Ouais, c'est vraiment bizarre. Je ne me retrouve plus. Attention, frère. Qu'est-ce qu'il y a? Taisez-vous, madame est là. Arrêtez, j'ai compris. Ah, c'est qui lui? Waouh, regarde ça. Ça encore. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beau. Je devine que je suis responsable de ce silence. Bref. Nous avons un nouveau étudiant. Trevor, en l'occurrence. Trevor, voici tes camarades de classe. Cherche à t'installer. Et bonne journée à vous. Et avant que j'oublie, le prochain professeur sera là très bientôt. S'il vous plaît, soyez donc sage. Alice, lève-toi. Merci. Pourquoi? Laisse-moi. Assieds-toi derrière, j'ai dit. Non. Lève-toi. Arrête. Viens,
prochaine fois que je te dirai de te lever. Tu te lèves, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Un des chapitres pour lesquels vous devez toujours étudier est le chapitre des synonymes. Ok, alors pouvez-vous me donner un synonyme de ubiquiste? Partout. Ok. Omniprésent. Bien. Global. Excellent. Universel. Ok. N'importe où. Cela fait deux mots. Silence! Elle a raison, compris! Il n'y a pas de différence entre les deux. Alors à présent, nous voyons les antonymes. Il mérite alors là un point. Vraiment? Je ne supporte même pas sa présence, mon Dieu. À quoi il pensait celui-là? Je ne comprends vraiment pas. À quoi s'imaginait-il? Je reviens. Waouh! Viens avec moi. Tu vois? Salut. Je m'appelle Samantha. Mais tu peux m'appeler Samy. Je sais que tu es très fort et je voulais te souhaiter la bonne arrivée. Franchement, il est trop mignon. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on part au cinéma. Ça te dit de venir avec nous? Non. Ok, alors, mais nous pouvons revoir le film ce week-end, histoire de sortir un peu, tu penses pas? Écoute, ça va. Merci beaucoup. Ok. Tu vis loin d'ici, sinon? Ouais, c'est le cas. Ok. Oui, bye. À la maison. Et elle est où, ta maison? Écoute, j'essaie d'être gentil, j'ai un taxi, rien d'autre. Ok. Oui, je constate cela, mais je voulais juste te raccompagner. Non. Tout le monde ici est snob? Je ne suis pas comme eux. Bien sûr, voilà pourquoi j'insiste. Alors? Vas-tu du côté de Several Estate? À vrai dire, je ne vis pas loin. T'es d'accord? Bien. Ok. Pouvons-nous? C'est compris. Très bien. On y va. Il a dit qu'il ne voulait pas le faire avec tout le monde et qu'il préférerait que ce soit en privé. Attends. Oh, attends, dis-moi, est-ce que tu peux lui demander s'il a un frère? J'espère que tu me comprends. Un ami, oui. Je veux son ami. Samy, mon cœur, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas, bébé? Ouais, chérie, allez, je lui dirai. T'en prie. Génial. Laisse-la, attends, laisse-la respirer un instant. Ça va, je me calme. Arrête. Merci beaucoup. Ouais. Laisse-moi avoir ton numéro, ok? Puisque je vis à deux pâtés de maison, alors je pourrais passer te récupérer tous les matins. Oh, eh bien, merci beaucoup, mais je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire. Écoute, je vais juste aider Irène. Rien de plus. Au moins, je pourrais la voir juste en cas de maladie, voisine. Euh...
Ok, merci beaucoup encore. Ok, à plus. À plus. Bonsoir, tante Gertrude. Pourquoi as-tu donné ton numéro au taximan? Je pensais que tu utilisais une application habituellement. Oui, j'utilise l'application. Merci beaucoup encore. Ok, à plus. À plus. Bonsoir, tante Gertrude. Pourquoi as-tu donné ton numéro au taximan? Je pensais que tu utilisais une application habituellement. Bonsoir, tante Gertrude. Pourquoi as-tu donné ton numéro au taximan? Je pensais que tu utilisais une application habituellement. Oui, j'utilise l'application. Tu n'as pas répondu à ma question. Laquelle des questions? Jeune fille, pourquoi as-tu laissé ton numéro au taximan? Ce n'est pas un chauffeur de taxi. Qui est-il donc alors? Mon camarade de classe. Je vois. Et donc maintenant tu fricotes avec les garçons de la zone? Il m'a juste raccompagné. Il t'a juste raccompagné? Tu sais, c'est très étonnant. Parce que je sais très bien que ton père t'a remis assez d'argent pour emprunter un taxi. Tantine Gertrude, je t'en supplie, je suis fatiguée. Je veux juste aller en chambre pour me reposer et dormir. Tu es fatiguée? C'est bien ce que tu me dis? C'est comme ça que tu me réponds? Après tout ce que j'ai fait pour toi? J'essaie de faire de mon mieux pour être gentille avec toi. Je fais tout ce que je peux pour que tu sois à l'aise avec moi. Mais tantine, je t'ai dit la vérité. Qu'ai-je dit de mal? Ah, c'est carrément de la folie. Ceci est inacceptable. Allô? Marc? Marc, j'ai essayé autant que possible d'être gentille avec ta fille, mais elle est vraiment très insolente. Imagines-tu que maintenant, elle vient à la maison avec différents garçons et s'asseye dans la voiture pendant des heures? Je ne sais même pas ce qu'ils font, s'ils la caressent ou s'ils abusent d'elle, je ne sais pas du tout. Ils s'asseyent dans la voiture pendant des heures sous le regard des voisins. Est-ce ainsi un bon exemple à donner dans cette cité? J'en ai marre, franchement. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal, Marc. Ah, je ne vais pas tolérer ceci et toi non plus, tu ne devrais pas le faire. C'est inadmissible. Je veux dire que tout le monde nous observe. Nous devons remédier à ce problème. Je suis sérieuse. Combien de temps il me reste, je vous prie? Je dirais 6 mois ou presque, monsieur. Honnêtement, chef, vous devriez envisager voyager. En effet. Mais Trevor, mon petit-fils, j'ai besoin de le prédisposer. Ce n'est pas un problème. On a du temps pour cela. Oui, tu as raison. Il a ses examens. Oh. Jeune homme, tu vas nous saluer ou nous tirer dessus? Bon retour, Trevor. Messieurs, vous pouvez maintenant disposer. Merci D'accord. beaucoup. D'accord. Ok, merci, chef. Monsieur. Grand-père, comment était ta journée? Elle s'est bien passée. Et la tienne? C'était bien. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient tous ici? Les élections sont pour bientôt. Oui. Les élections? Oui. Et les élections aussi ont besoin de ceci? C'est juste pour me revigorer.
comme ça et tu me caches les choses comme elle l'a fait. Elle avait sans doute de bonnes raisons. Tu sais, maman avait raison. Tu aimes tellement juger. Pour lui avoir dit la vérité, n'est-ce pas? Non. Pour lui avoir demandé de vivre plus tôt selon tes critères, grand-père. Tout doit se faire selon ta manière, et non d'une autre façon. Ne vois-tu pas qu'elle a essayé? Elle a vraiment fait de son mieux. Grand-père, au moins, elle a espace là. Elle n'a pas suffisamment essayé. Une femme qui saute la vie, sachant bien qu'elle a un enfant qui compte sur elle. Essaie de... Je vais dans ma chambre. Je veux dire, je dois lire mes cours. À plus tard. Bon Dieu, qui encore? Allô? Ami? Figure-toi que son compte est privé. Tu as quoi? Oh, tu as vérifié également? Attends, ami, ce mec est à moi. Tu ferais mieux de l'oublier. Donc annule ton abonnement. Maintenant, annule. Ah, non, mais qu'est-ce qu'il a? Ah, ami. Alors, c'est quoi la filière que t'as décidé de faire? Quelle est la filière que tu as décidé de faire? Je te parle. Je n'ai encore rien décidé, grand-père. Tu as 22 ans. Et tu ne sais pas encore ce que tu veux faire de ta vie. Je sais bien ce que je veux dans ma vie, mais je ne sais pas encore ce que je vais étudier, grand-père. Arrêté et jeté en prison en Amérique. Ensuite relâché par une faveur que j'ai pu obtenir. Grand-père, c'est quoi tout ceci? Je veux dire, pourquoi toutes les conversations avec toi sont toujours si tendues? Pourquoi? Parce que tu n'es pas responsable. Mais ne vois-tu pas que je fais des efforts? Tu ne te rends pas compte, grand-père, que je fais des efforts? Écoute, sache-le, parce que je ne veux pas commettre d'erreurs comme ta mère. Ne recommence pas cela. Ne me pousse pas à bout. Ne redis plus jamais son nom. Reviens ici, Trevor. Reviens. Je ne faisais rien avec ce garçon comme Tantine te l'a dit. Papa, je ne mens pas. Je n'ai rien fait avec ce garçon comme elle te l'a dit. Je ne sais pas pourquoi Tantine Gertrude en fait tout un plat. Tout ce qu'elle fait n'est pas dans le but de te nuire. Elle essaie juste de te protéger et c'est ce que je lui ai demandé de faire. Papa, dans ce cas, qu'elle essaie d'abord de connaître la vérité avant de venir te raconter certaines choses. Ma fille, il y a de cela 2 années déjà. Nous deux savons pourquoi, papa. Désolé si je ne suis pas assez présent pour toi. Mais tu peux maintenant. Papa, nos temps heureux me manquent. Tu sais, nous sommes toujours heureux. Papa, tu as besoin de réduire ton temps de travail. Et
sacrifiés pour sauver des vies à l'hôpital. Surtout durant la période où... Attends, il me semble que tu essaies d'éviter Gertrude. Elle tient à toi, tu sais. Non, ce n'est pas vrai. Tu dois lui accorder du respect. Je fais cela, je t'assure, mais... Elle ne fait que m'harceler et je... Je n'ai pas besoin d'elle, papa. C'est de toi plutôt que j'ai besoin. Et en plus de tout ça, tu ne travaillais pas à ce point quand maman était en vie. Je suis vraiment fatigué. Et j'ai besoin d'aller me reposer. Toi également. Bonne nuit, ma puce. Tu vas. Tu sors encore ce soir? Oui. J'ai besoin de profiter de la vie. Ok. Bébé, oui. Chef Joe est en chemin. Allons, ma princesse. Mon amour. Maman, pourquoi tu continues à autoriser ceci? Tu es une très belle fille, mon enfant. As-tu oublié comment était notre vie avant que Chef Joe n'en fasse partie? Tout ira bien. Allez, fais-moi un sourire. Tiens. Vas-y. Prends-le, chérie. Caresse-le lentement, juste comme il apprécie. D'accord? Maman t'adore, mon poussin. Je t'aime. J'ai pris mes clés. Donc ne m'attends pas, d'accord? Arrête de faire cette tête. À plus tard, mon cœur. Je t'aime. Tu ne m'apprécies pas. Ah, pourquoi dis-tu cela, chérie? Nous t'apprécions, nous t'aimons. Je ne crois pas ce que tu dis. En plus, je vois bien qu'elle te manipule. Peux-tu essayer de te calmer? Que je me calme? Tu sais quoi? Très bien. Peut-être que je devrais m'occuper de mes oignons, mais quand elle tombera enceinte, ne sois pas étonnée. Ma fille ne tombera pas enceinte, car elle est responsable. Oh, c'est ce que tu penses? C'est vraiment ce que tu penses, Marc. Au lieu de la punir, c'est à moi que tu fais des remontrances parce que tu ne crois pas que c'est la vérité. Est-ce que tu penses que je suis folle? Oh mon Dieu, mais pourquoi est-ce que tu en fais tout un plat, chérie? Non, je n'en fais pas tout un plat. Je te dis juste la vérité. Écoute, essaie de te calmer. Elle est encore jeune, ce n'est qu'une adolescente. Oh, s'il te plaît, elle n'est pas mineure. Pourquoi ne la considères-tu pas comme ta fille? C'est exactement ce que je fais. Tu ne vois pas cela? Oh. J'essaie juste de la protéger, Marc. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh Dieu. Nous n'allons tout de même pas passer la journée sur cette histoire. Tu sais quoi? Puisque c'est ainsi, je vais m'occuper de mes affaires désormais. Et ne viens surtout pas te plaindre après. Thank you.
première fois que je l'ai surprise en train de fumer de la drogue, elle avait 14 ans. Cela m'a fendu le cœur. Je l'ai punie par la suite. Et elle m'a promis d'arrêter. Écoute, grand-père, j'ai pas envie d'écouter ça, ok? Je vais me coucher. S'il te plaît. Chaque fois que je la surprenais, elle pleurait et me promettait d'arrêter. J'ai arrêté de la punir. J'étais fatigué. J'en avais marre. Après, je me suis dit, avec espoir qu'à 18 ans, j'espérais qu'elle changerait à l'étranger. Malheureusement, c'était pire. Et lorsqu'elle a eu 19 ans... Grand-père, arrête, je t'en prie. Pourquoi ressasses-tu des souvenirs aussi douloureux? Quel est l'intérêt de tout cela, hein? Je ne veux pas te perdre à ton tour. N'emprunte pas le même chemin que ta mère a emprunté. Grand-père, ça n'arrivera pas. Tu m'entends? Je ne vais pas finir comme elle, ok? D'accord? Donc, je t'en prie, arrête. Alors, arrête de te comporter comme elle. Salut, papa. Tout se passera bien, je te le promets. Essaie juste de ne pas mettre Gertrude en colère. Sache qu'elle est là pour ton bien. D'accord? C'est compris. Tout à l'heure, je t'enverrai l'argent du taxi. D'accord? Alors sois sage, ok? Papa? Papa, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait aller en vacances après mes examens? Je t'en supplie, papa. Ok, je te promets d'essayer, d'accord? Et essaie juste d'être heureuse. D'accord, papa. Vous allez bien? Peter, pourquoi tu ne t'occupes pas juste de tes affaires? Y a-t-il une raison pour ne pas que je te prenne devant ta maison? La fiancée de mon père est à la maison. La fiancée de ton père? Tes parents ont divorcé? La mort. Ouais. Ma mère est décédée aussi, donc. Je comprends. Désolée d'apprendre ça. Pourquoi la fiancée de ton père se mêle de tes affaires? Franchement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle me fait passer pour une frivole, je comprends pas. Est-ce que t'es quelqu'un de frivole? Non, pas du tout, mais bien sûr que non. Désolée de t'avoir demandé ça, je voulais juste savoir pourquoi elle se mêle de tes affaires. Elle veut juste me faire des histoires, c'est tout.
Et pourquoi est-ce qu'elle vit chez vous? Je ne sais pas. Elle s'est installée depuis que mon père et elle se sont mis ensemble. Je suis sûre que papa sait qu'il a fait une erreur. Eh bien, il m'a appelée plusieurs fois la nuit dernière, mais je n'étais pas d'humeur pour lui répondre. Mais pourquoi? Parce que je n'en avais pas envie. Eh bien, je pense que tu as bien agi. Il a un but de sa personne. Exactement. Vous savez, les belles filles ne sont pas faciles à conquérir. Bien sûr. Je confirme. Oui. Oups. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce wesh? Tu es bizarre. Ouais. Je sais pas, mes parents ne me parlent pas. Mais... Non, arrête, je suis sérieux, mec. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hey, salut. Bonjour. C'est Samantha, n'est-ce pas? Écoute bien ce que je vais te dire. Et je ne répéterai pas. Tu es la plus ignoble des personnes que je connaisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu répètes encore cette stupidité avec Irène, je m'occuperai personnellement de toi. Wow. Je me fiche de savoir d'où tu viens, où tu es, qui tu es ou quoi que ce soit. Et si tu es si belle, présente-toi à un concours de beauté au lieu de me courir après, ok? Attends, mais c'était quoi ça? N'écoute pas, ok? Ça va. Laisse tomber. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien. Bien. Puis-je savoir où on en était la dernière fois? Wow. Qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? Irène a été traitée de laide, mais je ne sais pas qui a dit ça. Quoi? Pas besoin de faire cela. Ne te laisse pas faire, Irène. D'accord? Surtout, ne te sous-estime pas. Pourquoi est-ce que tu te négliges, Irène? Je ne me néglige pas. Si, bien au contraire, tu les laisses. Tu les laisses te traiter comme un sac à merde. Comme si tu n'existais pas. Écoute, je veux juste surmonter cette échelle. Alors fais en sorte que cela n'arrive pas. Regarde cette école. Nous tous, nous sommes des enfants difficiles qui ont échoué à maintes reprises. Et même avec des parents. Nous ne devons pas accepter les échecs. Je sais cela. Je ne pense pas que nos mères ont cessé de nous aimer. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, tu dois arrêter de laisser Samantha te ridiculiser. Samantha pense qu'elle peut tout faire parce qu'elle est belle. Quelle beauté! La beauté est relative. Je veux dire que comparée à elle, t'es plus belle. Maintenant, je sais que tu le dis pour que je le sache. Je suis sérieux, crois-moi. Oh, vraiment, tu veux que je te le prouve? Laisse-moi t'aider à te sentir mieux, d'accord? Tu sais quoi? J'ai une idée. Après l'école. Thank you.
J'ai... Écoute, je ne comprends pas. Tu peux juste te calmer et venir avec moi. Je n'aime pas les surprises de nature. Ne t'en fais pas. Où allons-nous? Pourquoi ne veux-tu pas me faire confiance et monter dans la voiture? Allons, Irène, je ne t'emmène pas dans un endroit bizarre, pour l'amour de Dieu. Faut juste que tu montes dans la voiture. Je vais te faire confiance cette fois-ci. D'accord. Allez, baisse la tête. Quoi? Allez, monte. Fiancé de ton père exactement ce que je t'ai dit. Compris? Merci beaucoup. Merci pour tout. Eh bien, merci pour ta confiance. Ok. Souhaite-moi bonne chance. Courage. Merci. Bye. Tu me raconteras plus tard. Bye. Au revoir. Jeune fille, est-ce ainsi que tu as quitté la maison ce matin? Oh, ceci, c'est juste un cadeau offert par Instagram. Qui te les a offerts? Une actrice de Dollywood. Tu ne regardes pas Nollywood, toi? As-tu aussi acheté des vêtements à ma taille? Non, ce sont de vieilles robes, des bricoles. Je ne porte pas de vieilles robes. Tu me vois porter de vieilles choses, est-ce que je ressemble à une grand-mère? Je n'ai même pas encore 35 ans. De vieilles robes. Seigneur.
aimé la manière dont tout le monde te regardait aujourd'hui. Irène, j'aimerais m'entretenir avec toi. Trevor, tu peux partir. En fait, nous étions sur le point de partir, alors je vais l'attendre. Je vais la raccompagner. Ne vous donnez pas cette peine, madame, je la dépose toujours, donc j'attendrai. J'arrive, ok? Où est-ce que vous alliez, dis-moi? À la maison. Irène, mentir, ce n'est pas bon du tout. Mais je ne mens pas, madame Nelly. Vous pouvez regarder nos dossiers, nous deux vivons dans la même zone. Alors, qui est à l'origine de ton nouveau look? Oh, c'est Trevor. Pour quelle raison? Eh bien, pour que Samantha arrête de me blâmer. Madame Nelly, depuis que ma mère est décédée, Trevor est à vrai dire le seul ami que j'ai. C'est une bonne raison. Mais est-ce qu'il a essayé de te remettre quelque chose? C'est-à-dire? Comme? Tu sais de quoi je veux parler. Comme la cocaïne? Oh. Madame Nelly. Trevor, il est vraiment pas bon de prendre la drogue. Pourquoi vous lui demandez à elle et pas à moi directement? Jeune homme, ça suffit. Fais attention à ce que tu dis. J'ai le droit de prendre toutes les sanctions disciplinaires contre toi, vu le comportement que tu tiens. Seriez-vous en train de me menacer? Je vous mets juste en garde. Tu vois, ces agents de sécurité paramilitaires, ils ont le plein droit de prendre toutes les sanctions disciplinaires contre toi. Ici, tes parents l'ont signé. Alors fais gaffe. Trevor. Trevor. Oui, Irène. Ce n'est rien, tu peux rentrer, t'en fais pas, madame Nelly me raccompagnera à la maison. Ça va? Irène, je garde un œil sur toi. Tu continues d'emprunter le taxi. Madame, Trevor est une gentille personne. Je vois que vous vous aimez tellement. Eh bien, nous deux savons ce que c'est que perdre une mère. Irène, voudrais-tu que je parle à ton père pour louer un taxi pour toi et un chauffeur? Ce n'est pas la peine. Il demandera l'avis de tantine Gertrude et elle le convaincra de dire non. Parce que le dernier chauffeur a tenté de me violer. A-t-elle autant d'influence sur lui? Irène, tu dois me croire. Je suis là pour toi, ok? Et je serai toujours là pour toi. Je sais. Merci beaucoup, madame. Bye. Et comporte-toi toujours bien. Promis, madame. Thank you.
juste dans la voiture. Je suis désolé. On y va. Monte d'abord dans la voiture et on parlera de ça. Je n'ai pas aimé la manière dont tu as parlé à Madame Nelly hier. Cette vieille femme devrait s'occuper de ses affaires. Elle n'est pas une vieille femme. Elle essaie juste de prendre soin de moi. Oh, vraiment? Prendre soin de toi ou elle essaie de te protéger? De moi? Oh oui, le nouveau méchant garçon dans la ville. Tu sais, j'en ai marre que les gens se mettent à me juger tout le temps comme ça, sans même savoir ce que je vis ou ce que j'endure tous les jours. Et pourquoi elle me protège contre toi? Est-ce que tu te drogues? Ça arrive parfois. Tu sais que ça peut te tuer, n'est-ce pas? Écoute, j'ai perdu ma meilleure amie à cause d'une substance qu'elle consommait, ok? Et c'est son petit ami qui l'a lui donnée. Écoute, Irène, je ne t'en donnerai jamais, ok? Tu n'es pas mon petit ami. Tu dois la jeter. Allons. Irène, je suis sérieuse, tu dois la jeter. Monte dans la voiture et on en reparle plus tard. Non, je suis sûre que tu en as sur toi, donc jette-moi ça. Est-ce qu'on peut partir? Non. T'en as, n'est-ce pas? Irène, est-ce qu'on peut juste... Juste, jette-la. C'est dans ma voiture. Prends-la. Et jette-la ou je ne te parlerai plus jamais. Je suis sérieuse. Maintenant, jette-moi ça. Irène, est-ce qu'on peut en parler dans la voiture? Et Madame Nelly? Eh bien, je suis désolé, ok? Quand je serai à l'école, j'irai la voir pour m'excuser. Je te le promets. Je dois vraiment aimer cette fille. Ferme-la et continue de conduire. Tu es malade? Oui, je suis dingue, mais dingue de toi. Écoute, Peter, cette démence te causera des problèmes, ok? Tu perdras ton boulot pour cela. Tu sais que d'autres chauffeurs n'auraient pas toléré cela, n'est-ce pas? Mais tu es bien payé par ma mère. Pourquoi m'as-tu embrassé, Samy? Ce baiser? C'était juste un pari. Peter, avance cette voiture. Pouvons-nous partir? N'importe quoi. Tes excuses sont acceptées. Je veux juste que tu saches qu'il y aura toujours des conséquences sur les actions prises. Merci, Madame Nelly. Rentre en classe, les cours commenceront bientôt. Merci encore. Je pense que le son de Davido est vraiment accrochant. C'est quelque chose qui met l'ambiance. Tu comprends un peu surtout la qualité de sa vidéo. Tu sais, tu as absolument raison. Parce que Davido chante si bien. C'est un gros mensonge. Qui est Davido? J'ai écouté sa musique. Il ne sait même pas chanter. Il a aussi une voix tellement rock. Pour moi, il a de très bons... de bons textes, de bonne musique et même de bonnes vidéos. Oh, sérieux? Sors avec moi. Oui, je suis entièrement d'accord. Oh, pas vraiment. Wow. Mm.
Laisse-moi finir. Samantha, tu sais ce que t'es. Tu n'es qu'une sale petite vermine qui n'a absolument rien dans la tête. Pourquoi tu n'essaierais pas de laisser Irène tranquille? Pourquoi? Regarde. Allez, viens, on y va, faut que tu te changes. Il fait qu'il commence. Il va te changer. Wow. C'est ça, va te changer. Oh, gars, écoute. Laisse-moi te dire. Comment est-ce que tu peux le laisser te parler de la sorte? Dis-moi. Au milieu. Non, ma chérie, tu vas bien? Arrête. Mais dis-moi, Samantha et toi, c'est quoi le problème? Je ne sais pas pourquoi elle me hait. Mais voyons, Irène, elle te hait tellement. Et pourquoi elle te hait tant, Irène? Vous sortez ensemble? Non, pas du tout. Et en plus, elle me haïssait avant que Trevor n'arrive. Ouais. Mais c'est pire maintenant. Madame, j'aimerais raccompagner Irène chez elle. Trevor, tu ne peux pas partir. Laisse-la emprunter un taxi. Tu ne peux pas manquer le cours. Non. Elle a besoin d'être avec quelqu'un, elle. Elle se sent bien quand je suis avec elle. Elle préfère être avec moi. Très bien. Quand vous sortirez, appelez Joanne, s'il vous plaît. Samantha, tu aimes toujours faire tes petites je prises. Je ne suis pas comme toi. Comme tu veux, j'ai compris. Tout le temps, à la dernière minute, oui, tu oui, oui, c'est quoi cela. Le problème alors? Peut-être que tu les as poussés à être ensemble au lieu de les séparer. Ferme-la. Devant les examens universitaires. Samantha, ferme-la. Je suis désolée. Je suis, madame, je pensais que c'était une d'entre elles. Madame Nelly veut te voir tout de suite. Ok, n'importe quoi. Attends. Dégage de mon chemin. Quel est son problème? Qu'est-ce qui lui prend? Je t'attendrai ici. Tu peux venir, à vrai dire, Gertrude n'est pas à la maison. Tu en es sûre? Ouais, j'en suis sûre. Tu viens? D'accord. Très bien. Je reviens dans quelques minutes, ok? Ma maman. Elle souffrait d'un cancer. Et je suis tombée dans une profonde dépression quand elle est décédée.
Et c'est ce qui m'a conduit dans cette cité. On va dire que je suis chanceux. Sinon, je n'aurais pas rencontré la plus belle de la cité. J'ai perdu toute raison de vivre quand elle est décédée. J'imagine que vous étiez très proche. Et ensuite, Gertrude est venue. Elle était l'infirmière sarcastique qui s'occupait de moi et... En quelque sorte, elle est devenue la compagne de mon père. Il pensait que c'était une bonne idée. Et en voyant tout ce qui arrive, tu ne peux pas mettre fin à tout ceci, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Depuis que ma mère est décédée, mon père et moi n'avions pas été vraiment proches. Peut-être que tu devrais redevenir cette fille qui était si proche. Et comment suis-je censée faire cela? Comment? Puisque ma mère n'est pas ici, je n'arrive pas à... Elle était la lumière et la joie. Tu comprends? Je comprends, bien sûr. Je comprends. Ça va. Nous devons repartir maintenant, allez. Ouais. Partons. Bien sûr, avant que Madame Nelly ne se mette à s'inquiéter et nous appelle pour nous poser mille et une questions. Ouais. Donc. Ouais. Ok. Je ne ferai rien, maman. J'en ai juste marre. Je ne peux pas continuer ceci. Tu ne peux pas continuer quoi? Écoute, je ne veux plus qu'il me touche, maman. Je ne veux plus de cela du tout. Je veux qu'il stoppe. Samantha, s'il arrête, il n'y aura plus d'argent. Tu ne comprends pas cela? Pourquoi toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Et pourquoi pas toi, maman? Tais-toi. Je ne veux plus de cette vie, maman. Je n'en peux plus. Jeune homme, tu ne peux pas te saouler. Pas ici, dans ma maison. Donc tu veux que je parte, c'est ça? C'est bien cela? Hein, grand-père, tu veux que je parte de la maison? Très bien, je vais partir. Et quoi d'autre alors? Ah, alors c'est ce que tu me dis? Quelle insolence! Tu sais quoi, grand-père, j'en ai ma claque de tout ça. T'es là constamment à te plaindre, à me narguer, à me crier dessus comme sur un petit enfant. Tu sais, j'en ai marre. Pourquoi tu ne vas pas te reposer, espèce de vieil homme? Fiche-moi la paix! Ferme-la! Tu ne me parles pas comme ça chez moi. Merde, c'en est trop! Vas-y, frappe-moi, vas-y! Vas-y! Frappe-moi! Tu es exactement sur la même ligne que celle qui a tué ta mère. C'est ce qui est très mal. Vas-y, frappe-moi! C'est ça, ouais. Hein? Grand-père, réveille-toi, lève-toi. Je suis désolé, grand-père, je suis vraiment désolé, je ne pensais pas à tout ce que je disais. Allô? Allô? Irène, j'ai vraiment besoin de ton aide, faut que tu viennes. J'ai besoin de ton aide, c'est mon grand-père, il va pas bien. Samy! Samantha! Mademoiselle Samantha, pourquoi vous fuyez la maison? Mademoiselle Samantha, vous ne pouvez pas continuer ainsi. Parce que je sais que vous n'êtes pas ravie de faire ceci. Mademoiselle Samantha, vous êtes la plus belle fille que je connaisse et vous méritez mieux. Je suis enceinte. Enceinte du chef? Mais qui d'autre? Il n'aime pas utiliser de préservatif. Ça va, Samy. Je vais vous emmener quelque part demain, ok? Tout ira bien, ok? Rentrons à la maison maintenant avant que votre mère ne s'inquiète. Allons, voyons, tout ira bien. Je ne veux pas la voir. Écoutez, essayez juste de faire cela, je vous en prie, ok?
Ne vous inquiétez pas. D'accord? Rentrons. Vous n'avez même pas porté vos sandales. Allons, rentrons. Ne pleurez plus. Tout ira bien. Bonjour, papa. A plus, comment vas-tu? J'espère que ta nuit a été bonne. Oui, bien. Très bien, à plus. Papa, comment va le grand-père de Trevor? Il est dans un état alarmant. Très critique, chérie. Dis-moi qui est Trevor. Rien, papa, il est juste mon voisin de classe à l'école. Oh, il semble être inquiet. C'est normal. Ok, je dois partir maintenant pour ne pas être en retard. Bye, papa. Prends soin de toi, chérie. C'est compris, papa. Bonjour. Oui, c'est Madame Nelly de l'école Gonesse. Je vous appelle pour avoir les nouvelles de Samantha. Est-ce qu'elle va bien? Je n'ai pas de ses nouvelles. Et elle n'est pas à l'école aujourd'hui. Et son téléphone est fermé. Ok. Très bien. Très bien, alors j'attends que vous me rappeliez. Merci beaucoup. Merci. J'ai vécu ce genre de choses il y a très longtemps. Je suis sûre qu'il ne veut pas que tu t'inquiètes. Il ne me fait pas confiance. Mon grand-père ne me fait pas du tout confiance. C'est le meilleur moment de retrouver sa confiance. Et comment? Il ne fait que me juger ou me dire que... Pourquoi? Oui, pourquoi? D'abord, il y a mon père que je n'ai jamais connu. Ensuite, ma mère qui meurt. Et là, c'est mon grand-père qui me crée du souci. Pourquoi tous ceux que j'aime disparaissent? Écoute, Trevor, il ne va pas disparaître, ok? Il n'ira nulle part. Il est mourant. Écoute, Irène, il est en train de mourir. Mais tu sais quoi? Ça se comprend. Ça a beaucoup de sens. Il m'a ramené pour qu'il puisse se moquer de moi et mourir. Et me dire au revoir, il m'a juste ramené pour qu'il puisse passer ses derniers jours avec moi en train de se moquer de moi. C'est ce qu'il a toujours fait. Trevor, tu sais, tout le monde m'abandonne sans me dire au revoir. Tout le monde me quitte, personne ne me donne aucune chance. Bien que cela m'affecte énormément, personne n'a pitié de moi. Trevor, s'il te plaît, écoute. Alors, rends-les spéciales pour lui. Ok? Fais-le. Ne pleure plus, ok? Ça va. Rends ces derniers jours spéciaux. Tu es spécial pour moi. Et je ne veux pas te perdre, tu sais.
ça. J'ai des protections, si tu veux. Nous pouvons... Pourquoi tu des préservatifs? Tu pensais les utiliser non, avec qui? Avec personne, je t'assure, avec personne. Donc pourquoi tu les as ici? Oh, eh bien, attends, tu préfères ne pas en utiliser? Tu sais quoi? Je ne vais rien faire avec toi. Est-ce qu'on peut au moins en parler? Hey. Ah. J'ai compris. Tu peux partir. Ne t'en fais pas. J'ai tout ce qu'il faut. Tu sais que ça peut te tuer. Oh, ce serait peut-être mieux que je meure. Oh, ok, alors meurs seul. Ouais, c'est ça, va-t'en. Désolé, Samy. Du courage, sois forte. Désolé. J'ai tellement mal. Essaie de te coucher, peut-être que la douleur va se calmer. C'est de pire en pire. Je saigne aussi. Ne serait-il pas mieux qu'on aille à l'hôpital? Oui, je t'en prie. Regarde, ta mère appelle. Laisse-la appeler. Dieu va la punir. S'il te plaît, envoie-moi à l'hôpital. Désolée, mais ne parle pas de ta mère de cette manière. Tout ceci est de sa faute. Et de toi aussi, pour m'avoir emmenée chez ce charlatan de docteur. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Si je l'avais su, je ne t'aurais pas emmenée là-bas. Je suis vraiment désolée, Samy. Désolée, du courage, Samy. Je suis vraiment désolée. Sois forte, essaie au moins de t'allonger, s'il te plaît. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, tu me manques. Dis, tu es là? Ouais. Est-ce que t'es toujours fâché contre moi? Ah, tu es de retour, chérie. Bonne arrivée, papa. Comment a été ta journée? Irène. Une jeune fille a voulu perdre la vie à ma clinique aujourd'hui. Elle a essayé d'avorter une grossesse par le biais d'un docteur charlatan. Waouh! Qui est-elle, papa? Et cela a quoi à voir avec moi? Cela a tout à voir avec toi. Parce que c'est une élève de ton école. Samantha. C'est ton amie, n'est-ce pas? Non! Non, papa, loin de là! Irène, tu dois faire très attention dans ce milieu. Tu dois faire très attention quand tu es avec tes amis. Je ne veux surtout pas avoir honte, Irène, ok? Je t'avais dit qu'un professeur à domicile serait mieux. Tu n'es pas ma mère. Et tu ne sais pas ce qui serait mieux pour moi. Irène. Tu as entendu cela? Est-ce que tu as entendu ça? Tu vois comment elle m'insulte dans cette maison? Après tout ce que je fais pour prendre soin de vous? Je suis désolé, chérie. Je vais régler cela. Irène, tu dois t'excuser auprès de Gertrude maintenant. Désolé. Tu répètes toujours la même chose et tu la laisses s'en tirer sans la blâmer. C'est pas vrai. Je suis désolé. Je vais arranger ça. J'ai compris. Je vais te servir à manger. D'accord. Viens prendre une douche d'abord. Excusez pour la dernière fois. Ma mère a toujours dit
Les vraies excuses viennent avec la bonne attitude. Ok, très bien. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Il ne s'agit pas de moi. Pourquoi tu n'arrêtes pas juste complètement? J'ai essayé. Tu sais, j'ai essayé à plusieurs reprises, j'ai rechuté à maintes reprises. J'ai essayé, mais ce n'est pas facile. Et j'ai besoin de toi. Tu as besoin de bien plus que moi. Trevor, j'apprécie vraiment le fait que tu te confies à moi. Eh oui, je suis d'accord pour t'aider. Merci, madame. D'abord, nous avons besoin d'une assistance médicale professionnelle. Madame Nelly, je connais quelqu'un qu'on peut rencontrer. Je ne comprends pas. Sérieusement, je ne comprends pas. D'abord, c'est une fille qui voulait faire un avortement par un charlatan. Maintenant, nous avons affaire à un addict à la cocaïne. Dites-moi, madame, quel genre d'enfant avez-vous dans cette école, bon Dieu? Des enfants qui méritent une seconde chance. Dis-moi, Irène, ne t'ai-je pas demandé avant si ce garçon était ton petit ami? Non, monsieur. Nous ne sortons pas ensemble. Nous sommes de très bons amis et je la respecte beaucoup. Alors, cela fait combien de temps que tu prends ceci? Depuis que ma mère est décédée. Docteur Marc, nous ne devons pas les rejeter, ok? Surtout si... il se confie à nous. Ce que j'entends ici est totalement ridicule. J'ai essayé de m'empêcher de participer à cette conversation, mais maintenant, il faut que j'intervienne. Tout d'abord, cet établissement dont vous parlez a été créé par une bande d'escrocs dont le seul but d'extorquer de l'argent à des parents riches. Madame, c'est vrai que nous avons des enfants turbulents, mais nombreux parmi eux font des progrès. Je vois. Comme celui-ci. Avec tout le respect que je vous dois, je refuse ce que vous dites, madame. Tu vois ce que je disais? Tu vois? Gertrude, arrête, je t'en prie. Nous avons une situation critique ici. Jeune homme, si je dois vraiment t'aider, tu dois dans ce cas obéir à mes règles. Ok, monsieur. Nous devons chercher à garder les yeux sur toi, surtout pendant les nuits, tu comprends? Maintenant que ton grand-père est hospitalisé, y a-t-il quelqu'un à la maison? Non, monsieur, il n'y a personne à la maison. Alors, dans ce cas, tu dois venir dans cette maison. Quoi? Pas question! Gertrude, si je dois aider ce garçon, alors je dois aller jusqu'au... Mais chérie, cela n'a pas de sens! Tu veux donner l'opportunité à ce jeune de coucher avec ta fille sous ton toit? Monsieur, je peux à vrai dire m'organiser pour les surveiller. Ah non! Vous restez en dehors de ça! Papa, je t'en prie, laisse Madame Nelly vivre. Oh, tais-toi! Petite sotte! Gertrude! Les adultes sont en train de parler! Ne parle plus jamais comme ça à ma fille, tu m'entends? Ici, c'est ma maison. Si cet accro à la drogue et son professeur osent emménager dans cette maison, notre relation, c'est fini. Tu n'es pas obligé de faire ça. Oh que oui, je le ferai. Choisis un camp. Soit eux, soit moi. Maintenant. Papa,
tu n'as pas été toujours là quand maman est décédée. S'il te plaît, rattrape-toi avec ça. C'est pathétique ce que j'entends. Ce serait fou si tu acceptes ceci. C'est mal. Madame Nelly, je veux que vous veniez avec Trevor dans cette maison. Quoi? Je suis sûr que son grand-père aurait accepté cela. Merci beaucoup, papa. Je t'aime, bébé. Je m'en vais d'ici. Oui, dehors. Oui, je m'en vais. Sors, vas-y. Je m'en vais. Viens ici, ma puce. Merci, papa. Tout se passera bien, ok? Princesse, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je suis aussi désolée de ne t'avoir rien dit à propos de ceci. Tu as failli perdre ton utérus, tout cela par ma faute. Je suis une mère indigne. Pardon. Essayons d'aller de l'avant. Nous allons prendre un petit appartement beaucoup moins cher. Ça me va très bien, maman. Les souvenirs de ce bouc dans ma chambre ne me laissent pas dormir toutes les nuits. Je suis désolée. Je n'y arrive pas. Il y a quelque chose d'autre dont je veux te parler. Qu'est-ce que c'est? Tu vas devoir fréquenter une université publique. Je t'en prie. Maman, ça me va. C'est mieux que de vivre dans l'esclavage toute notre vie. Donc ça me va. Je voulais une belle vie pour toi, mais je n'ai... Je le sais. Je sais, maman. J'ai au moins l'opportunité de fréquenter à l'université du Nigeria, donc c'est mieux. Oh, désolée. Mon pauvre bébé. Je suis désolée. J'ai honte. Si tu savais, mon cœur. Je vais ouvrir. Très bien. Oui. Papa, ils sont là. Oh. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, monsieur. Soyez les bienvenus. Ravi de vous revoir, monsieur. Oui, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Je... Non, il ne fallait pas. Laissez-moi vous montrer votre chambre à l'étage. Ok. Très bien. Allez, viens, viens. On va attendre juste que papa finisse de lui montrer sa chambre et ensuite on te montrera ta chambre. C'est bon? Ok, pas de problème. Madame Nelly et ton père vont bien m'entendre. Ouais, je suis vraiment sérieux, regarde-les. En plus, ce serait cool. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais.
addicted to this life. Stuck up in prison in my mind. I'm so addicted to this life. Stuck up in prison in my mind. My stars have all gone dark. My sun still won't shine. But I'm trying, I'm trying, I'm trying my best. Mon père peut consommer le piment comme l'oiseau le consomme. Donc soyons prêts à avoir la bouche en feu cette nuit. Je suppose que vous étiez en train de parler de moi. Oh, coucou papa. Bon retour, docteur Mac. Madame Nelly, vous n'avez pas besoin de faire la cuisine pour nous. J'aime faire la cuisine. Et en plus, cette cuisine est tellement belle. Oh oui. Ici était, pour ma femme, le meilleur endroit de la maison. Je peux l'imaginer. Ok, je vais voir comment se porte Trevor. Oui, papa, tiens ceci. À plus tard. Madame Nelly, vous n'avez pas besoin de mettre autant de piment à cause de moi. Non, pas du tout. Je vous
voudrais vous dire merci pour ce que vous avez fait. Non pas seulement pour Trevor, mais pour ma fille également. Elle est soudainement devenue un peu plus heureuse. Vous ne devez pas me remercier. Irène est vraiment très spéciale pour moi. Oui, elle irrite, mais elle est spéciale. Waouh, où puis-je déposer ceci? Je pense que je devrais aller jeter un coup d'œil sur Trevor. Oh, vous devriez. Oui. La nourriture sera prête dans un instant. Ok. À plus. Parfait. À plus. Salut tout le monde. Salut. Oh, tu m'as l'air en forme. Doc, je voulais vous dire merci pour tout, vous savez. Et merci de m'avoir donné la chance de rester ici, je veux dire, sous votre toit, et aussi l'opportunité de pouvoir montrer à tous que... Je reconnais que ça n'a pas été facile. Je veux juste dire merci beaucoup, je suis vraiment reconnaissant. Ne t'en fais surtout pas, et sache que je suis impressionné parce que tu t'en es sorti. Je sais. Vous savez, je suis si content parce que je ne vais plus me disputer avec mon grand-père. Oh oui. Il sera si fier de moi. Cela la rendra tellement... Vous savez, celui-ci est un rêve, je vous assure. Je n'arrive pas à le croire. J'ai réussi. Merci beaucoup, Irène. Tu étais toujours là pour moi. Oui. Sache que je t'en suis vraiment reconnaissant. Qu'est-ce que tu dis? Quand est-ce que cela se produit? Pourquoi est-ce que personne ne m'a appelé plus tôt? Ok, non. J'arrive maintenant. C'est un appel de l'hôpital. Attendez. Comment va mon grand-père? S'il vous plaît, dites-moi que désolé, mon grand-père va bien. Désolé, je suis désolé, Trevor. Il est décédé il y a quelques minutes. Non, vous êtes en train de plaisanter, c'est une blague. Vous savez, Doc, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Je dois me rendre à l'hôpital immédiatement. Je dois m'y rendre. Vous ne pouvez pas me dire que mon grand-père est mort. Tout ce que je voulais, c'est qu'il soit fier de moi. Non, mais ce n'est pas possible parce que... Je veux dire, il est tout ce qui me reste. Désolé, sois fort, s'il te plaît. Non, sois fort, Trevor. Je ne peux pas le croire. Ça m'est égal. Je m'en fous. Il sait, Trevor. Crois-moi, il doit être fier de toi depuis le paradis. Non, je veux qu'il soit fier de moi ici, sur la terre. Je veux qu'il le constate, qu'il le sache. Tout ceci est de ma faute. Trevor, ça va. Je t'en prie, d'abord, c'était ma mère. Et maintenant... Chut, ça va. Laisse-moi seul. Trevor, s'il te plaît. Il n'y a rien que tu puisses changer. Mon Dieu, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Écoute. Non. Mon Dieu, pauvre-moi. S'il te plaît. Il sait que tu as changé. Non. Si, bien sûr. Ne pleure plus. Mes sincères condoléances. Je vous remercie. Bonjour. Salut. Es-tu venue te moquer de moi, Samantha? Non. Je ne peux pas faire cela. Je suis ici pour présenter mes condoléances, également pour m'excuser auprès d'Irène. Irène, tu sais, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait. S'il te plaît, pardonne-moi. J'accepte tes excuses. Merci beaucoup. Trevor, je vais prier pour que tu puisses te relever de cette perte. Merci beaucoup, Samantha. J'apprécie vraiment. Je suis fière de toi, Samantha. Merci beaucoup, Madame Neely. Samantha. Bonsoir, monsieur. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup. Je suis ravi de l'entendre. Neely. Puis-je te parler en privé?
Oui. Trevor, Irène, je serai avec vous dans un instant. Je vous prie, ok? Puis-je m'asseoir? Oui, bien sûr. Assieds-toi. Est-ce que mon père a appelé Madame Nelly par son nom? Je pense bien que c'est le cas. Vraiment? Ouais. Non. Mais attends. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Non. Ouais. I'll give you my heart, I'll give you my heart.